peuple togolais, vaillant peuple togolais, togolaise, togolais. Je voudrais, avant de commencer mon intervention, me présenter, parce que je ne l'ai jamais fait. Je me nomme Raoul Daba. Je suis le président de l'Observatoire panafricain pour la démocratie et le développement. Je suis également président fondateur de l'Afrique Justice et Développement. Pourquoi je me présente? Parce que c'est très important. Lorsque vous êtes un homme public, il est opportun et il est de bon ton que vous vous présentez. Donc, les organisations que je dirige, nous luttons pour la bonne gouvernance en Afrique, et c'est ce qui m'a valu d'ailleurs ma rosette de gratification. Donc, je voudrais, avant de commencer mon intervention, dire à nos compatriotes qui sont sur les réseaux sociaux que cette lutte que nous menons est une lutte qui concerne tout le monde. Nous ne sommes pas en train de jouer à la comédie parce que nous n'avons rien à faire. C'est une lutte qui nous concerne tous. Et nous ne devons pas nous taire, parce que la situation est grave. Nous combattons un régime de 50 ans, une dictature de 50 ans. Et je voudrais demander à nos compatriotes sur les réseaux sociaux d'être respectueux envers tous ceux qui interviennent sur les réseaux. Il est important que vous écoutiez ce que la personne dit au lieu de juger son background, au lieu de juger tout ce qui l'entoure. Ce n'est pas ça qui est important. Il faut écouter ce que la personne donne comme un message. Comme message, c'est très important. Donc il faut que nos commentaires que nous faisions également soit plus sérieux. Parce que cette lutte, c'est pour tout le monde, y compris même les Togolais et les Togolaises de RPT Unis. Ils comprendront plus tard que cette lutte, c'est pour leur propre bien également. Donc voilà ce que je voudrais énumérer avant de commencer mon intervention. Mon intervention reposera sur l'appel lancé par notre opposition à la France. Tout d'abord, je voudrais commencer par ces questions et ces réponses qui émanent d'un homme public français sur la Radio France
international. Avant de rentrer même dans le vif du sujet. Voilà la question que la radio France Internationale pose à l'homme politique, je ne vais pas donner son nom, à l'homme politique français. Monsieur, vous dites que la politique africaine ne doit pas se faire à Paris. Est-ce que vous pensez, peut-être que ceux qui disent qu'en 2005 au Togo, Fonia Singbe a été installé au pouvoir avec l'aide de la France. Voici ce que répond l'homme politique français. Je dis que je ne vais pas donner son nom. Il dit, je veux sortir de cette problématique-là. Aujourd'hui, il y a des élections, il y a des processus démocratiques internes au Togo, et je crois que la France n'a pas à mettre son grain de sel dans le choix des Togolais. Voilà la réponse d'un homme politique, un éminent homme politique français, lors des élections de 2005, lors du massacre de 2005. Voilà ce qu'il a répondu. Ensuite, on lui posait encore la question. Et c'est la Radio France Internationale qui pose la question. Et vous pensez, comme l'opposition togolaise, que l'élection très controversée de Faure Gnassingbé est un déni de démocratie? Il répond ceci. Il y a eu des observateurs européens dans cette élection. La Cour constitutionnelle s'est prononcée. C'est aux Togolais de régler cette question. Voilà la question de notre homme politique français. Et après cela, cette même personne, on lui posait la question, ça c'est un autre mois, un autre jour, on lui posait la question encore sur RFI. Au Burkina Faso, vous avez lancé des avertissements à Blaise Compaoré. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres chefs d'État qui n'entendent pas ce type d'avertissement? Voilà ce qu'il répond. Je vous laisse le choix d'en faire la liste, mais le message de la France est le même. Voilà ces questions-réponses que je voudrais énumérer avant de commencer mon intervention. L'appel de l'opposition à la France n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans le précaré France-Afrique du passé. Mais cela ne veut pas dire que la France n'influence pas notre vie politique, n'influence pas notre démocratie. Parce que pourquoi? Parce que les choix politiques de l'Afrique se font toujours et toujours en France, même si le précaré France-Afrique est en train aujourd'hui de finir. Cette lutte concerne les Togolais. Le pouvoir s'arrache. Le pouvoir s'arrache.
pas de sacrifice. Pas de sacrifice. Pas de sacrifice. Et avant d'entamer mon intervention, je voudrais également apporter à votre connaissance le plan africain du nouveau président français. Et chaque président français élu a toujours des propos mielleux et qui fait croire ou qui font croire qu'ils vont respecter la démocratie africaine. Voilà le nouveau président dans sa campagne. Et quand il est élu, il dit qu'il entend nouer avec l'Afrique un partenariat pragmatique et gagnant-gagnant basé sur le respect mutuel. C'est tout ce qu'ils disent. Tout chef d'État français qui arrive au pouvoir, voilà leur mot. Et plus loin encore, il dit qu'il voudrait en découdre avec la coopération unilatérale. Et il dit aussi qu'il va créer un conseil présidentiel pour l'Afrique. Et le conseil présidentiel pour l'Afrique, il voudrait l'inscrire dans son projet de société. En fait, il s'agit d'une enceinte qui devait permettre au chef d'État de consulter un panel de personnalités de haut niveau s'intéressant au continent africain. Et il explique que c'est un panel qui sera à moitié africain, à moitié français. Et il va servir de repère pour son gouvernement en vue de la mise en œuvre de ses initiatives éventuelles sur l'Afrique. Et cette structure sera pour lui, pour Macron, un cadre de réflexion et de conseil pour une orientation conséquente de la politique africaine. Ce n'est pas quelque chose qui est mal, c'est une bonne chose. Mais je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, c'est une très bonne chose. Mais, dans cette lutte, c'est nous, les Togolais premièrement. C'est le peuple qui a fait partie Ben Ali du pouvoir. La France n'a pas intervenu. C'est le peuple qui a fait partie Moubarak du pouvoir. La France n'a pas intervenu. Mais cette lutte-là, ça nous concerne. Ça nous concerne. Et je voudrais m'adresser à ceux qui demandent l'intervention de la France dans cette lutte. Je voudrais vous dire d'office que c'est une stratégie de rêvasserie totale. Pourquoi je dis que c'est une stratégie de rêvasserie totale. Je ne vois pas un Français verser son sang pour un Africain ou un Togolais par volonté. Je ne vois pas.
l'Africain soit un Africain. Et règle ses propres problèmes. Je ne vois pas un Français verser son sang. Si ce n'est que leur intérêt, premièrement, si ce n'est pas leur intérêt qui compte. La France n'interviendra jamais. Pourquoi? Parce que Ford et Adema 2 est un produit fini de la France. C'est un produit fini de la France. Soutenu par le gouvernement français à 100%. Et je peux vous garantir que si jamais il ne lui trouve pas de remplaçant, s'il ne trouve pas quelqu'un qui pourra le remplacer et appliquer leur désir, Ford et Adema 2 restera au pouvoir. C'est un réseau de mafiosos. C'est un réseau de mafiosos. C'est un réseau de mafiosos. Mais écoutez, si Achadam n'est pas sorti, Tipi n'est pas sorti, pour qu'aujourd'hui, la vitalité puisse entrer encore dans les Togolais. Aujourd'hui, notre position traditionnelle, s'endort. Nous devons trouver une stratégie. Pensez-vous que Bolloré veut perdre le port et les contrats militaires avec la France? C'est de l'argent, mes chers compatriotes. C'est de l'argent, c'est leur intérêt. C'est leur intérêt. Pensez-vous que Bolloré veut perdre le port? Pensez-vous que Bolloré veut perdre les contrats militaires? Mes chers compatriotes, mes leaders de l'opposition togolaise, à un moment donné, il faut regarder la réalité en face et sortir de l'utopie. Mais écoutez, si la France sait bien, acceptons que la France intervienne dans notre lutte actuelle. Vous savez ce qu'elle va nous imposer? Vous savez ce qu'elle va nous imposer? Un référendum. Il va nous imposer un référendum. C'est ça qu'il va nous imposer. Et il dira que le Togo est un pays indépendant et souverain. Et si ça pète, il dira qu'il fera évacuer ses ressortissants au Togo. Voilà ce qu'il va faire. C'est un réseau de mafiosos politiques qui nous a imposé une dictature pendant 50 ans, qui
nous a imposé un régime despotique pendant 50 ans. C'est pourquoi moi, je m'insurge contre cet appel à la France. Regardez ce qui s'était passé au Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso. Quand son mandat arrivait à terme, après 32 ans de pouvoir, un projet de constitution en vue de lui permettre, après 32 ans au pouvoir, de briguer un nouveau mandat. Avec la complicité, bien entendu, de la France. Avec sa complicité, ils ont soumis ce référendum au vote, dont l'issue, en l'état du système d'organisation de ces élections, ne laissait aucune place au doute, en dépit des oppositions de la classe politique et de la société civile, et d'une campagne dite de désobéissance civile enclenchée par une large proportion de la classe politique, malgré les pertes de vies humaines, malgré les pertes de vies humaines. La constitution soumise aux électeurs a été proclamée, adoptée et promulguée en un temps record. Les tenants du pouvoir ont alors brusqué la convocation du corps électoral pour une élection présidentielle anticipée. Voilà ce qu'ils vont nous imposer au Togo. C'est pourquoi le régime s'attelle actuellement pour former la CENI et faire entrer certains satellites soi-disant opposants dans ce CENI-là pour qu'il y ait crédibilité. Voilà la structure du mafioso. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé au Togo, au Congo plutôt? Nous y sommes avec la somme. Nous y sommes avec la somme des risques, des déstabilisations inhérentes. Risque à approcher à l'instabilité de la RDC. Que tout ça mal parti pour ne pas subir de secousses significatives. Mais, chose extraordinaire, Sassou Nguesso reste aujourd'hui encore le président de la République du Congo. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la question d'intérêt de la France est en jeu. Nous sommes gouvernés par un réseau de mafiosos. Et une armée tribalisée, à outrance, rabaissée à un travail de police, dont leur habitude est la répression des manifestations.
la répression des manifestations civiles. J'aurais préféré, si on n'a pas de stratégie, qu'on en trouve, qu'au lieu de faire appel à la France. Parce que la France ne fera jamais partir Fong Nassimbé si il ne le trouve pas de remplaçant. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Mais Bolloré n'est pas installé au Togo pour... pour plaire, pour faire du plaisir aux Togolais. Nous sommes gouvernés par un réseau de mafiosos. C'est ça la réalité. Tout ce que font faire actuellement, c'est la France qui le lui conseille. Mais regardez, Idriss Déby, dans son interview de la fois dernière, disait que ce n'est pas de sa volonté de changer la constitution de son pays. Que c'est la France qui lui a imposé. Que c'est la France qui lui a imposé de changer sa constitution, de changer la constitution tchadienne. C'est Idriss Déby, même le président du Tchad, qui affirme cela. Les intérêts français donnent l'impression de s'accrocher aux vieilles branches que représentent les amitiés et les alliances anciennes parce que l'on se refuse à faire l'effort d'une refonte de l'approche du continent africain. Disons-nous la vérité. Nous ne voulons, on ne peut pas prêcher la rupture d'un système et inviter encore le système dans notre lutte que nous menons. On ne peut pas prêcher la rigueur et persévérer dans la voie de la dilapidation et de la facilité. On ne peut pas aussi à la fois prêcher la demande, comme on le demande souvent. Regardez comment la France nous pille. Regardez comment la France nous traite. Regardez ceux qui perdent leur vie sur la Méditerranée en voulant rentrer en France. Juste pour vivre et travailler. Ils doivent périr sur la Méditerranée. Mais c'est cette même France qui arrive chez nous et pille nos richesses. Mais ne laisse pas nos jeux aller chez eux pour travailler et vivre.
Je trouve absurde qu'on puisse, dans cette lutte actuellement, inviter la France à venir nous aider. Qu'est-ce qu'il avait fait en 2005? Quand on marchait sur les 500 personnes pour arriver au pouvoir, qu'est-ce que la France a fait? Message de félicitations, monsieur le président. Voilà ce qu'il a fait. Message de félicitations, monsieur le président. Pour arracher la liberté d'un pouvoir dictatorial. On ne s'abaisse pas. On ne fait pas une révolution à genoux. La révolution se fait par une détermination accrue. Si nous avons échoué jusqu'à présent, c'est que nous manquons de stratégie. Et il est temps que nous nous asseyons pour compter le prix, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est les vieilles méthodes qui ne marchent plus? Si c'est les vieilles méthodes que nous utilisons qui ne marchent plus, trouvons d'autres méthodes. Trouvons d'autres méthodes. Un président qui gouverne un pays jusqu'à présent n'a rien dit. Presque deux mois, il n'a rien dit. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il s'en fiche pas mal de l'aspiration profonde du peuple togolais. Et ce monsieur doit quitter le pouvoir. Même s'il y a organisé une discussion avec ce gouvernement, la première des choses que nous devons réclamer, c'est son départ. Nous n'avons rien contre l'individu de Fonia Simbé. Nous n'avons rien contre les gens du RPT Uni. Ce sont des Togolais également. Mais ce système-là, nous ne l'accepterons plus au Togo. C'est un système qui nous a tués, un système qui nous a torturés, un système qui nous a massacrés. Il est temps qu'il dégage. Et cela devrait se faire par notre propre force, par notre propre initiative. La liberté ne se donne pas. Ça s'arrache. Et cela doit se faire par une détermination. C'est pourquoi j'interpelle
Et je vais le faire également. Je l'ai fait hier, je vais encore le faire tout à l'heure. J'interpelle tous les Togolais vivant dans des pays africains de se lever. Et c'est le lieu même d'inviter les leaders des partis politiques. Il est temps que nos partis politiques soient des partis transnationaux. Il faut que nos partis soient des partis transnationaux. Vous pouvez aller contacter la classe politique de ces pays africains pour qu'ils puissent aussi se lever et dire que non, ça suffit. Il faut que l'alternance arrive également au Togo. Contactez la classe politique béninoise, contactez la classe politique ghanéenne, contactez la classe politique burkinabè. Contactez la classe politique de la CEDEAO. Pour qu'à une seule synergie, on puisse soulever le problème du Togo devant ces institutions. C'est très important. C'est très important. Je pense qu'au lieu de demander l'intervention de la France, c'est ce que nous devons faire. Nous devons utiliser des moyens transnationaux. Et inviter la classe politique africaine à intervenir dans cette lutte. Pour qu'on fasse pression sur ces chefs d'État pour que le changement arrive aussi chez nous au Togo. C'est pas la lutte des Béninois que l'alternance est arrivée au Bénin. Ce n'est pas par la France. C'est par la lutte des Burkinabés que la liberté et l'alternance est arrivée au Burkina Faso. Ce n'est pas par la France. Si nous entendons la France, donc nous allons attendre très longtemps. Nous avons d'autres stratégies. Pour réussir cette lutte. C'est le lieu d'encourager encore le peuple togolais à ne pas baisser les bras. Parce que la victoire est proche. Tant que la diaspora ne dort pas non plus, cette lutte sera couronnée de succès. Et le Togolais pourra vivre sa liberté, sa paix et sa justice. Vive le Togo. Vive l'Afrique. Vive la démocratie. Je vous remercie.